Mon conseil pour les vacances, un petit tour de karting sous le soleil, c'est un bonheur. Sur la piste, Maxence, 11 ans et demi, graine de champion, fait des chronos et des dérapages. À l'atelier, le mécanicien règle les derniers détails d'un redémarrage sur les chapeaux de roue. On a besoin de prendre l'air, on manque d'activité, d'extérieur, de choses. Oui. Un peu d'adrénaline ? Oui, aussi, ça fera pas de mal. L'âge minimum, c'est 7 ans et 1m25 pour la taille. Donc ça, c'est pour les cartes enfants. Et après, à partir de 14 ans, pour les cartes adultes de location classique. Et à l'accueil ? Ça démarre à 13€ pour les enfants. Et après, on est à 16€ pour les adultes par session. Et à l'accueil, les vacances ont déjà commencé. Les garçons derrière, s'il vous plaît. C'est le seul endroit accessible en extérieur. Et donc, c'est chouette avec les enfants. Voilà. La première session de l'après-midi affiche complet. Alors, parmi vous, qui n'a jamais roulé en kart ? Ok, pas de problème, on va donner les explications. Après une rapide prise en main des bolides, c'est parti pour 8 minutes de course. On peut y aller. Pour les nouveaux, le premier tour est plutôt tranquille, la vitesse vient avec l'habitude. Et hop, une sortie de route dans une flaque. Essaye d'y aller un petit peu plus tranquillement. Freine un petit peu plus, comme ça t'assures ta sécurité, d'accord ? Et à la fin de la première session, réaction des pilotes. J'ai bien envie d'y retourner, voilà, et c'est vraiment une chouette sensation. C'est un petit coup de boost et ça fait du bien de profiter un peu du soleil aussi. Et d'évacuer l'énergie qu'on a à revendre à cause du couvre-feu. Voilà. En 8 minutes, on fait 6-7 tours, 7 tours, ouais, pour ceux qui roulent les plus vite. Et pour avoir testé moi-même, assis au ras du bitume, on a vraiment l'impression d'aller à fond. Alors qu'en réalité, on roule deux fois moins vite que le jeune Maxence, 11 ans et demi. Et pour ceux qui rêvent de nature et de calme dans le Loiret, il y a aussi un jeu de piste au domaine du Ciron, des ateliers créatifs à Olivet et des stages d'équitation à Saint-Denis-en-Val. Bonnes vacances.